y ha comisariado numerosas exposiciones desde el año 89, exposiciones sobre arte conceptual el año 89, sobre el arte en Bélgica el año 90, también sobre la belleza exacta, el arte en los Países Bajos. Posteriormente, en el año 97, comisarió una exposición sobre los años 30, un tiempo difícil. En el año 2001 hizo una exposición sobre l'École de París y en el año 2006 hizo también comisarió otra exposición sobre Rouault y Matisse, correspondencias. Pero tal vez la exposición que más nos interesa para este ciclo y para esta exposición es la gran exposición que comisarió en el año 2008 sobre Raoul Dufy Le Plaisir, que ha sido la última gran exposición que se ha realizado sobre el artista. Posteriormente también ha comisariado una exposición en el 2011 sobre Van Dongen y ahora mismo está preparando una exposición sobre Albert Marquet, otro pintor amigo de. Bueno, el pintor del que aprendió más Dufy al comienzo de su carrera. Yo quiero agradecer a Sophie Krebs por haber accedido al curso, a venir a dar una conferencia de esta tarde que va a ser sobre el último Dufy y también por su colaboración en el catálogo de la exposición y por los préstamos, importantísimos préstamos del Museo de Art Moderne de la Ville de París a la exposición, cinco de las obras más importantes de la exposición. Sin más preámbulos, muchísimas gracias y espero que disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler de l'œuvre ultime de Raoul Dufy. Et on peut se poser la question pourquoi on m'a demandé de parler que de la dernière période de Dufy. En fait, c'est un classique des expositions et on en a vu dernièrement avec le The Late Turner. On s'intéresse beaucoup à la fin des artistes. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble qu'on pense que la vie d'un artiste et son œuvre se développent comme sa vie, une jeunesse, une période de maturité et puis une vieillesse. Et de là à dire un déclin, il n'y a qu'un pas. Donc, pourquoi tous les artistes ne fonctionnent pas de la même façon? Par exemple, si vous prenez Matisse, les dernières années de Matisse, où on le voit quand même malade, presque alité en permanence, c'est aussi l'invention des papiers découpés. La meilleure, presque pour certains, période de l'artiste. Et on peut se poser la même question pour Dufy. Personnellement, je pense que ce sont des années extrêmement importantes, peut-être les plus importantes, parce qu'il résume au fond toute sa carrière. Et que si on sait bien regarder ses œuvres, on y retrouvera tout ce qu'il y avait depuis sa jeunesse, sa maturité, qu'il va développer de manière tout à fait originale. Donc il n'est pas abusif de faire les dernières années de Dufy. Quand est-ce que commencent ces dernières années? Quand j'ai été voir The Late Turner, c'était 30 ou 40 ans avant sa mort. C'est un peu beaucoup pour les dernières années. C'est un peu vaste. Je vais être beaucoup plus raisonnable. Pour moi, les dernières années de Dufy commencent en 1937 avec sa grande toile, La Fée Électricité, et s'arrête pratiquement à sa mort en 1953. Dans cette dernière œuvre, on peut voir différents sujets revenir ou être développés différemment de ce qui avait été auparavant.
voire de nouveaux sujets. Mais c'est aussi une méthode, une manière de peindre différente, dont il va réussir à mettre enfin au point, parce qu'il cherchait depuis très longtemps cette façon très particulière de peindre, et il a essayé énormément de techniques, et je pense qu'à la fin de sa vie, il y a enfin réussi. Je vous ferai quatre parties dans cet exposé. Une partie où je rappellerai ce qu'était la fée électricité, cette grande décoration. Une autre où son séjour forcé dans le sud de la France, notamment à Perpignan, pour la majeure partie au moment de la guerre, va renouveler une grande partie de ses sujets. La troisième partie sera consacrée à la musique, qui a une influence considérable dans son œuvre. Il est d'une famille de musiciens et est toujours passionné par la musique. Cette passion va revenir en force à la fin de sa vie. Et enfin, pratiquement au moment où il fait son dernier voyage aux États-Unis, un thème tout à fait nouveau apparaît et va devenir pratiquement dominant jusqu'à ces dernières années, c'est le cargo noir. Je vais vous parler tout d'abord de la fée. La fée électricité est une décoration qui a été commandée par la compagnie parisienne d'électricité pour le pavillon de la lumière et de l'électricité, dont l'architecte était Malestévins, en 1937, à Paris. Je vous rappelle que c'est le pavillon c'est dans cette exposition qu'a été exposée Guernica. Donc une exposition internationale de grande ampleur, l'une des dernières avant le grand conflit mondial. C'est pour Dufy le couronnement de sa carrière. Il a déjà fait des commandes privées, mais là c'est une commande publique. Et à la suite de la fée, il aura d'autres commandes pour le palais de Chaillot, nouvellement construit, et pour la singerie de la singerie de attendez de du muséum à Paris. Sa couronne, et quand on dit couronner, met quelque part un terme à ce qu'il a cherché tout au long de sa carrière, c'est-à-dire à se faire connaître. Son succès, à partir de là, est mondialement connu. Il aura le prix Carnegie aux États-Unis. Il sera par la suite représentant de la France à la Biennale de Venise en 1952, si mes souvenirs sont bons. Bref, à partir de là, une carrière, je dirais, de peintre officiel, entre guillemets, est définitive. Mais pour faire ce travail-là, je vous rappelle un petit peu les dimensions. 600 mètres carrés en un an, c'est une prouesse technique. Et il va inventer, pendant toute cette période-là, différentes choses intéressante. D'abord, un nouveau procédé pictural qui s'appelle le procédé Marogé. C'était un chimiste français qui, en ayant essayé de percer les techniques des peintres flamands, a créé un nouveau médium qui remplace l'huile dans la peinture. Ça permettait à Dufy de peindre une seule fois
et pas plusieurs couches comme pour la peinture à l'huile, d'éviter justement la technique de superposition pour creuser les profondeurs. Et ça lui permettait aussi de travailler rapidement. Ça sèche très vite. Et donc tous ces éléments-là vont lui servir à réaliser très vite la fée. Mais ce n'est pas que cela. Il va aussi s'installer dans un atelier, une ancienne usine, avec d'autres artistes qui vont l'aider à faire ce travail-là. Il va utiliser des modèles en costume pour réaliser la frise de tous les personnages que vous voyez. Voilà, toutes ces frises. Des modèles seront utilisés. Et donc, il est vraiment un véritable patron, un maître, comme les peintres d'autrefois. Et la dernière chose très originale, il fait des dessins qu'il va exposer par le procédé sur le mur, par le procédé de la lanterne magique, qui permet d'agrandir et de projeter ses dessins à taille qu'il souhaite sur ce grand décor, et ensuite de repasser sur la projection les traits lui-même. Donc beaucoup de choses nouvelles, comme vous pouvez le voir, Dufy est un peintre qui aime le travail, le beau travail, et qui a beaucoup d'imagination pour le faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est la nouveauté du thème. Parler de l'électricité, c'est quelque chose de très abstrait pour un peintre, et il a trouvé un système, je vais vous montrer une autre image, où vous avez à droite, de droite à gauche, de droite à gauche, vous avez, je dirais, un espace spatio-temporel. On commence ici par l'Antiquité, et les artisanats liés à la nature, la vigne, le sillage du bois, qui vont tour à tour être motorisés. Vous avez une partie centrale qui correspond ici à l'Olympe, les dieux et la foudre de Jupiter, et en dessous, une usine électrique. Et de l'autre côté, vous avez toutes les inventions, les industries liées ou qui utilisent l'électricité. La construction navale, les transports, les aciéries, et puis tout un ensemble d'autres, l'enregistrement du son, avec notamment la radio, la publicité lumineuse, le cinéma, etc. etc. Donc il mêle tous les bienfaits, au fond, de l'électricité dans la vie moderne, en faisant une espèce de frise spatio-temporelle. Et en dessous, vous avez tout un ensemble de personnages qui sont tous liés à une invention. Vous avez Volta, vous avez Edison, tout un ensemble de chercheurs, de savants, dans le costume de leur époque. Vous avez même Léonard de Vinci en tant qu'ingénieur. Tous ces gens-là ont participé à l'invention finale de l'électricité. Donc c'est une œuvre tout à fait passionnante, intéressante, et il y résume aussi tous les thèmes qu'il avait déjà auparavant utilisés. Vous avez Ici, vous avez les travaux des champs,
et vous avez des grands aplats verts, jaunes et rouges. Toujours cette indépendance entre les grands aplats de couleur et le dessin, qui sont totalement autonomes. La couleur ne recouvre pas la même surface qui enserre le dessin. Donc cette manière de faire fait des grandes taches comme ça, colorées, permet de rythmer son œuvre. On retrouve aussi des thèmes connus, comme les régates. Il y a là-haut tous les bateaux sur la mer. Ici, vous avez un certain nombre de petits bateaux. Les moissons, par ici, dans ce secteur-là. Et puis les orchestres. Ce sont des thèmes, malheureusement, je ne peux pas tout vous montrer, ce sont des thèmes qui sont présents dans la Fée Électricité et qui, quelque part, clôt une période et annonce une deuxième. C'était la raison pour laquelle j'ai mis la Fée comme, je dirais, le début de l'œuvre ultime. Une des conséquences de la Fée, c'est que Dufy sort épuisé. Il décide, à l'issue de cela, de partir en Italie, à Venise, en 1938, où certains thèmes vont à ce moment-là apparaître. Mais ce qui est de cet épuisement va aussi naître une maladie, la polyarthrite. C'est pendant l'exécution de la Fée qu'il va commencer à ressentir les premiers symptômes de cette maladie invalidante qu'est la polyarthrite. Et c'est aussi le deuxième thème, nouveau lieu, nouveau paysage, cette maladie et un autre événement, la déclaration de la guerre en 1940 va l'obliger à quitter Paris. En fait, il n'était pas à Paris au moment de la déclaration, mais en Normandie. Mais poussé par l'avancée des troupes allemandes, il se réfugie en zone libre, à Nice d'abord, mais là aussi il va être vite chassé par l'invasion des Italiens qui reprennent la ville de Nice. Et il sera amené à séjourner à Céré, dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées catalanes. Cette crise va s'aggraver. Elle devient très invalidante. On voit dans les photos des années 40 les déformations de ses doigts et de ses mains, qui ne lui permet plus de tenir correctement un pinceau. Il sera suivi à Perpignan par le docteur Nicolo, qui va le soigner et le garder chez lui. Et ce sera une grande amitié qui va naître entre son médecin et l'artiste. Il loge dans son appartement, ici, rue Jeanne d'Arc, et il va, du fait de sa maladie, rester profondément sédentaire, rester chez lui, dans son atelier, et il va faire tout un ensemble de vues. Je ne sais pas tout à fait ce que je voulais montrer, mais ce n'est pas grave. Voilà. Vous avez un autre atelier aussi à Perpignan après-guerre, mais c'est un peu le même problème. Encore ici, ce n'est pas le même. On avait Jeanne d'Arc là, il va après-guerre revenir à Perpignan toujours pour suivre son traitement. Et vous voyez qu'il va rester dans cet appartement bien caractéristique. Voilà. On y retrouve toujours le peintre qui peint ses propres peintures. Ici, vous avez la baigneuse des années 1914. Vous avez ici Sainte Adresse, qui est une petite plage à côté de très célèbre en France, à côté du Havre, et tout un ensemble et d'autres ateliers. Toujours, des références à lui-même. Et bien entendu, des sculptures, des nus. Enfin, il joue énormément avec tous les éléments de l'atelier. Mais ce qui montre aussi qu'il reste très, très, très alité, très, très assis, ne pouvant plus marcher comme autrefois.
Dans une lettre à son galeriste Louis Carré, il dit, notamment à propos de sa maladie et de la guerre, « Le temps de ma maladie et celui des cataclysmes du monde ne devraient pas être aperçus dans l'ensemble de mes travaux réunis. » Il dit en gros que, à cause de sa maladie et de la guerre, du conflit, il devrait ne pas changer son art, mais en fait, dans les faits, on va percevoir, et vous le percevez ici, une certaine négligence. C'est son nouveau style. Bien sûr qu'il sait toujours peindre et dessiner, mais il ne s'arrête pas aux détails. Je vous rappelle qu'il peint, il est gaucher, enfin il est un peu ambidextre, il peut peindre aussi bien de la main droite que de la main gauche. Mais qu'il est obligé de coincer ses pinceaux dans ses doigts, donc il n'a plus la même dextérité. On sent déjà dans ces petits tableaux, qui sont tout petits, hein, là aussi, il ne peut pas non plus beaucoup se déplacer, il ne peut pas monter sur un escabeau pour des grandes toiles, ce sont toujours des toutes petites toiles. Donc on sent effectivement une certaine négligence dans son style qu'il n'y avait pas auparavant. Il va aussi, à la suite de cela, s'intéresser aux fleurs. Il y a deux raisons à ça. Voilà, il fait beaucoup de fleurs, notamment il redécouvre l'aquarelle, beaucoup de bouquets de ce genre. Il y a plusieurs raisons à cela. Je vous en montre un autre, voilà, à peu près de la même période. Il fait d'abord une illustration pour un écrivain français qui s'appelle Colette. Il va faire un herbier. Mais aussi le fait qu'il soit toujours chez lui et qu'il ne peut pas beaucoup bouger, il va se reconcentrer sur les natures mortes, ce que font beaucoup d'artistes quand ils n'ont pas suffisamment de scènes à voir. N'oubliez pas que Dufy est un grand voyageur. C'est pour lui une situation très nouvelle de rester toujours au même endroit. Donc il va faire tout un ensemble de décors qui va l'amener à une très belle publication, L'herbier de Colette, qui sera publiée, si mes souvenirs sont bons, en 1948, quelque chose, juste immédiatement après-guerre. En ce qui concerne la guerre, il est en zone libre jusqu'en 1943, où la zone libre, de toute façon, est envahie par les Allemands. Dufy n'est pas un artiste engagé, mais il ne reste pas insensible à la montée des fascismes. Il signe la pétition de Paul Westheim contre l'exposition d'art dégénéré avec Matisse, Zadkine et Lipschitz en 1938. Et il décline, ce qui est très important parce que beaucoup de ses amis vont y aller, l'invitation d'un voyage à Berlin des artistes français, où figure dans ce voyage tristement célèbre André Derain, Maurice de Vlaminck, Otto Fries et Aristide Maillol, pour ne citer que ceux-là. La propagande allemande fera de même pour les écrivains ainsi que pour les comédiens et comédiennes. Lui déclinera très fermement et restera très éloigné des Allemands le plus longtemps possible. Malgré les soins du docteur Niccolo, sa santé ne s'améliore pas, comme je vous l'ai dit. J'apporterai le troisième point, qui est la musique. Voilà. Alors, ça, c'est aussi une autre scène. C'est la maison de campagne du docteur Niccolo à Vernay-les-Bains, c'est tout près de Perpignan. Et là, vous voyez effectivement les scènes de jardin, la nature morte, le salon-atelier. On retrouve toujours ce lien entre l'intérieur et l'extérieur, typique de Dufy. Vous voyez aussi le côté plus négligé de son dessin, les pieds qui ne sont pas tout à fait terminés, le dessin qui reste très sommaire, mais cette manière très
facile de poser les peintures, les couleurs, les violets, les rouges, avec beaucoup d'harmonie. Et ce goût très prononcé pour le décor, qu'il s'agisse du canage d'une chaise ou de la tomette d'un sol. Voilà. Donc c'est tout à fait représentatif du travail de Dufy, mais avec beaucoup plus de laisser aller dans le dessin, mais sans côté péjoratif de ma part. La troisième point, c'était toujours la musique. La musique, comme vous le savez, et c'est à peu près au moment de la guerre et juste après-guerre. Voilà. Là aussi, c'est à Vernay-les-Bains. À la campagne, il va aussi créer un nouvel événement, un nouveau thème qui n'était pas là jusque-là, ou très peu. Il va regarder de très près ce qu'on appelle le dépiquage des moissons. Voilà. Alors, c'est une espèce de machine qui met en botte, vous voyez, le foin, la paille. On voit effectivement son système de grands aplats bleu d'un côté, rouge de l'autre et jaune, en ayant ce mélange un peu hétérogène. Il va faire énormément de ces scènes de campagne. Alors, ce qui est nouveau, c'est le début de la mécanisation. Avant, il montrait surtout des scènes traditionnelles de la campagne française. Tout se faisait avec un cheval et à la main. Donc là, il est vraiment intéressé par cette irruption de l'industriel, entre guillemets, dans une activité agricole. Et on retrouve un peu tout ce qu'on a vu déjà sur la fée électricité, ces manières de mettre des masses de couleurs, sauf qu'il y en a de moins en moins. Avec le retour de la... Alors ça, je vous ai déjà montré. On voit ici, par exemple... je reviendrai dessus après, plus tard. Hein. Voilà. Donc, on retrouve aussi ces grandes masses, vous voyez, colorées. Grande masse rouge, grande masse jaune. Là, c'est la console, rocaille. Ça, c'est la tomette qu'on trouve sur les de terre cuite. Et puis, vous avez le carnet à dessin, qui est une tache noire. Et ici, une nature morte qui se fond sur le carrelage, qui est presque avalée par le rouge. Donc ça, ce sont ce qui va se passer juste dans l'immédiate après-guerre. Voilà. C'est l'intérêt pour la musique et qui va avoir des conséquences sur sa façon de faire. Jusque-là, nous avions des grandes masses d'aplats, comme vous le pouviez voir. Mais je vais, avant d'aborder l'évolution dans son art, je vais rappeler un fait. En 1943, il repart à Paris, puisqu'il n'y a plus de zone libre et de zone occupée. Et il écrit de là au docteur Nicolo. « J'ai besoin de vérifier tout mon passé. J'ai ouvert cartons et tiroirs et détruit tout ce qui me paraissait mauvais. » J'ai voulu effacer la trace de mes fautes. J'ai été écœuré de cette besogne, mais un peu soulagé. J'ai été réconforté par l'apparence de quelques peintures apportées de la lumière d'ici. Elles me paraissaient plus denses que sous la lumière du Roussillon qui creuse tout. Que nous apprend cette information ? En 1943, Dufy détruit beaucoup d'œuvres. Il fait déjà une sorte de... D'abord, ça veut dire qu'il voit dans son atelier toutes les œuvres passées qu'il avait pu conserver. Qu'est-ce qui est bon chez Dufy ? Il y a deux choses qu'il dit être bon pour lui. Ceux qui contiennent un enseignement et ceux de sa jeunesse auxquels il est attaché parce qu'ils marquent
le progrès, l'effort qu'il a dû faire pour arriver jusqu'à maintenant. Alors c'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'est que les œuvres qui portent un enseignement ? Je pense que ce sont des œuvres qu'il a beaucoup travaillées, sans doute, mais dont il va reprendre un certain nombre de thèmes. Et je pense aussi que cette réflexion sur toute son œuvre, de voir toute son œuvre défiler comme ça, va lui permettre d'avancer encore et de passer le pas et de faire une nouvelle étape dans sa technique picturale. Il dit aussi qu'il a gagné, en voyant tout cela, en clarté technique et en précision de l'idée. Ça, c'est très intéressant. C'est que tout ce qu'il a fait auparavant, c'est bien techniquement, mais aujourd'hui, c'est mieux, techniquement parlé, cette clarté technique. Je trouve que le terme est très, très juste. C'est pour cette raison que je vous ai mis cette œuvre-là. Et précision de l'idée. C'est-à-dire que quelque part, il va réussir à se concentrer sur une seule idée qui va être beaucoup plus mature, plus intéressante, plus sérieuse que l'on veut bien le dire. Cette œuvre-là s'appelle Le violon rouge et on voit toute l'évolution. On a vu les grands aplats de couleurs et là on a l'arrivée des œuvres monotonales. Et c'est lié aussi à son amour de la musique. Il fera tout un ensemble d'hommages à des musiciens comme Bach, Debussy et Mozart, mais aussi au violon. Et il faut savoir que dans le Roussillon, là où il est, à Perpignan et à Céret, il va rencontrer deux grands artistes dans l'immédiate après-guerre, Pablo Casals, qui était là, et qui sera un de ses amis, et pour lequel il avait une admiration sans fin, et aussi une pianiste, Yvonne Lefébure, qui est une grande artiste de cette immédiate après-guerre, une grande pianiste. Il va donc faire il va à beaucoup de concerts, et il va voir ces artistes en train de jouer, et il faut... Pablo Casals faisait du violoncelle, mais il est absolument fasciné par les courbes du violon. On le voit bien, cette façon de faire les ouïes. C'est vraiment pour lui l'objet parfait, l'objet à peindre parfait pour un peintre comme Dufy. On y trouve l'arabesque. Quand on regarde des œuvres anciennes, je vais essayer de vous montrer une œuvre qu'il a faite auparavant, où il adore le décor rococo. On a vu... la console auparavant, là je vais vous montrer, on voit cette manière de faire les cadres rocailles, les miroirs rocailles ou la console rocaille, ici, on la retrouve ici, cette manière très, très libre de faire ces motifs-là. On le voit aussi, attendez, je vais vous le montrer un peu plus tard, voilà, c'est une œuvre qui est de 1935, si je ne m'abuse. Et dans cette grille-là, on voit tout, je dirais, l'art de Dufy de faire des grilles rococo. Même en dessin, il arrivait à faire des choses assez incroyables de technicité et de difficulté. Donc je reviens un peu en arrière. Donc là, on voit tout à fait qu'avec avec la musique, il va enfin arriver à trouver des sonorités chromatiques. Le rouge pour le violon, par exemple, c'est un thème qu'on revoit souvent. Et par exemple, en ce qui concerne Debussy, il va essayer de trouver des équivalents colorés à la musique de Debussy. On le voit à un piano, mais... L'ambiance colorée, c'est du orange, du jaune, du vert. On verra que, par exemple, ici, on retrouve toujours le rouge pour cette coloration très forte pour le violon. Et on le verra ici pour Bach, plutôt l'ambiance musicale de Bach, c'est plutôt du bleu et du rouge, mais avec une grande tendance rouge. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que
il essaye de trouver avec avec la musique, il va essayer de trouver ses équivalents plastiques, musicales. La musique, c'est de la couleur, c'est une tendance monochromatique. Il va abandonner toute couleur complémentaire à ce moment-là. Donc vous voyez le raffinement du dessin, parce qu'il met ça dans une ambiance aussi qui est celle de son atelier. Vous regardez ces motifs qui sont des motifs de textile, de tissu, qu'il avait imaginé dans les années 20 pour Bianchini Ferrier, le soyeux, et qui ont été, je dirais, particulièrement utilisés dans la mode de l'époque. On peut regarder, on retrouve tout à fait ce motif-là. Vous voyez, on retrouve, alors ce sont des lys et des arômes. C'est le décor d'arômes. Et puis ça, c'est une œuvre qu'il a, un bouquet qu'il a lui-même aussi. C'est une tapisserie. Donc c'est du tissu, des tapisseries qui occupaient son atelier parisien. Il faut savoir que quand il fait ça, il n'est pas à Paris, il est dans le sud de la France. Donc c'est par mémoire qu'il se remémore tout ce travail décoratif qu'il avait fait auparavant. Donc pour résumer, il arrive à une grande simplification des moyens qu'il utilise, que ce soit il arrive à cette clarté technique, peu de couleurs, mais vives. Du dessin, mais peu, au fond, envahissant, mais très, très net, quelque part. Enfin, je terminerai par cette conférence, par la dernière partie de son œuvre, ou si je puis dire, un dernier thème qui voit le jour, ce sont les cargos noirs. Ce thème apparaît en 1946 et il va jusqu'à la fin de sa vie en 1953. Avant d'aborder, avant d'aborder ce thème-là, je rappellerai que en 1948, je suis obligé toujours de reparler de sa maladie, mais la polyarthrite est une maladie qui ne se guérit pas et qui, au contraire, s'aggrave. Il a encore une autre crise extrêmement invalidante et il décide, à ce moment-là, de partir l'année suivante aux États-Unis, à Boston, où un professeur, le professeur Hamburger, du Jewish Hospital de Boston, a mis au point une nouvelle méthode, et notamment avec un nouveau médicament qui jusque-là n'avait pas été utilisé, la cortisone. Il y restera un an aux États-Unis, où il reviendra en meilleure forme, mais enfin pas pour très longtemps, je vous rassure. Les doses de cortisone qu'on lui avait sans doute injectées était un peu trop forte, d'après ce que j'ai compris, et qu'il n'a eu qu'un sursis, et surtout une qualité de vie peut-être meilleure à la fin de sa vie. Vous savez que pour partir aux États-Unis, en France, il faut repasser par le port du Havre, donc le port de son enfance, c'est là où il est né. C'est là aussi où il va retrouver les fameux cargos. Quand il était jeune, il a travaillé sur le port du Havre, donc qu'il connaît très bien. En 48, il faut quand même imaginer que le Havre n'est peut-être pas tout à fait le même que de son enfance, puisqu'il a été bombardé par les Allemands et par les Alliés. Donc c'est un champ de ruines plus qu'un un port en très très bon état. Un autre artiste qui revient des États-Unis s'arrête au Havre, Zadkine, et il sera effaré en 47 de l'état de la ville qui est totalement détruite. Elle sera reconstruite après-guerre par Benjamin Perret, par Auguste Perret, pardon, pas par Benjamin, Auguste. Il faut faire un
on va parler de ces cargos noirs, mais il faut sans doute y voir une pointe de nostalgie, quelque chose qui n'est plus. Il y a aussi un autre événement qu'il faut rappeler. En 1948, avant d'aller au Havre, il s'arrête à Paris. C'est sur le chemin, il revoit son atelier, et là, pareil qu'en 1943, il revoit toutes ses œuvres pour préparer une rétrospective que lui a commandée l'État français. Cette opération a été, vous le pensez, assez émouvante et réconfortante de revivre ainsi mon passé, et m'a permis de bien comprendre l'ordre et la méthode que j'ai mis dans la vie et dans mon travail, et qui m'aide beaucoup à l'organisation de mon exposition. Donc, quand il part aux États-Unis, il part pour deux raisons. D'une part, pour une seule raison, d'abord, se faire soigner. Mais il part aussi avec en tête la préparation de sa rétrospective, qui marque un point final à son œuvre. Je ne suis pas toujours tout... Vous savez, quand on regarde... Le thème du cargo est un thème qui apparaît déjà depuis très longtemps dans son œuvre. Là, regardez, ici, en 1935, on voit un petit cargo au fond, fumant et noir. Là, c'est un hommage à Derain qui est dans l'exposition. Au Lorrain, pardon, hommage au Lorrain. Et on voit d'abord qu'il y a quelque chose d'anachronique entre ces voiliers, un peu à l'ancienne, et puis cette modernité que l'on voit poindre au fond. Ici, dans la grille, c'est pareil. On est aux alentours de 1935, et vous voyez ici, entre les deux barreaux de la grille, le cargo qui est toujours présent. Mais il est extrêmement discret. À partir des années 48, c'est-à-dire au moment où il repart à... Alors, c'est pour ça qu'on dit 46, 48. Moi, je penche plutôt pour 48 que 46, puisque ça correspond à son retour au Havre. Il va se remémorer son passé. Alors, si vous vous souvenez bien, mais je n'ai pas remis tout ça, alors on retrouve effectivement, arrivant dans le port du Havre, le fameux cargo. Vous avez ici la fameuse digue qu'on retrouve dans ces tableaux précédents, et puis la partie Sainte-Adresse, avec les fameux toits pointus bleus, et la plage, avec ici des baigneurs, et ici ce qu'on appelle des pêcheurs à pied. Et la marée basse. Donc, c'est une construction, une reconstruction du paysage. Tout ça n'existe pas. Un cargo n'arrive pas sur une plage. Mais il a, quelque part, fait un assemblage de différents thèmes, de mémoire. Le village de Sainte-Adresse, l'arrivée au port d'un cargo. Et ce qui a fasciné tout le monde, c'est le fait qu'il bifure le cargo. Et on s'est posé la question, et il l'a expliqué plusieurs fois. Alors, je vous montre d'autres. Alors là, nous avons ici un temps d'orage, très connu chez le fameux nuage, l'arc-en-ciel ici. On a toujours la Sainte-Adresse, la digue, le cargo au milieu fumant, qui est simplement dessiné dans le noir. Et puis ici, vous avez une baigneuse, un autre baigneur ici, voilà. Et puis la plage, avec sans doute, voilà, la plage. Avec ici les petites vaguelettes qu'on voit ici, les petites vagues. Je vous en montre encore un autre. Toujours le même système. Le bateau plus ou moins gros, plus ou moins important dans le paysage, les baigneuses, les passants, le village de Sainte-Adresse, rouge avec les toits pointus, la digue avec le phare, le nuage, c'est une chose qu'on retrouve dans
pratiquement beaucoup d'œuvres de... Et puis même, on peut s'amuser avec le drapeau français. C'est aussi une référence au fait qu'il a fait énormément de rues pavoisées dans sa jeunesse. Je vous en montre un autre. Alors, on a le système, toujours le même système de Dufy, le bleu d'un côté, le vert de l'autre, le noir avec une tache plus ou moins ocre ici, et puis toujours les mêmes personnages, avec aussi le retour de ses tentes, puisque à Sainte-Adresse, il fait froid et il y a du vent, et donc l'été, on plante de toiles bicolores rouges et blanches. Si vous regardez les tableaux des années 1904, 5, 6, vous retrouvez ce motif de la tente, de même que les gens qui se promènent sur la plage. Je termine. Encore un autre exemple de cargo. Vous voyez, c'est une série. Elles sont toutes différentes, mais elles ont toujours le même élément. Et on reviendra sur la question du noir au milieu. Donc on a toujours ce système de Dufy. Et enfin, un des derniers, qui est au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Là, vous avez quasiment presque un fantôme, un cargo fantôme, de couleur verte qui apparaît dans cette noirceur. Toujours Sainte-Adresse d'un côté, la digue de l'autre et la plage ici avec ses promeneurs, ses baigneurs voilà. Pourquoi le noir ? C'est la question qu'on pourrait effectivement se poser en ce qui concerne cette série. En fait, il y a une vraie raison. Et elle est venue très tôt, il écrit dans ses notes qu'il avait fait une expérience, que tout le monde peut d'ailleurs faire, c'est que quand vous regardez le soleil en face et que vous êtes ébloui, vous avez une espèce de tache noire dans les yeux et vous souvenez, mais un quart de seconde, d'une silhouette du dernier objet que vous avez vu. Et c'est exactement ce qu'il essaye de produire sur la toile. Nous sommes dans l'éblouissement. Il regarde le soleil de face et c'est l'image après l'éblouissement qui reste. C'est un peu, au fond, une métaphore de la mémoire. Il se souvient de tous ces éléments-là un petit peu par le prisme de l'éblouissement. L'éblouissement de sa jeunesse, ça donne ça à la fin. Je ne vois pas du tout quelque chose de morbide ou de funeste dans l'utilisation du noir, mais plutôt une manière, et quand vous le voyez, de creuser la composition et de faire irruption dans cette toile, dans ce paysage totalement recomposé, de tout ce qui a fait, je dirais, sa vie en Normandie, qu'il ne voit plus puisqu'il est reparti vivre dans le sud à cause de sa maladie. Et il se souvient de tous ces éléments-là qui l'ont toujours beaucoup marqué. Je pense que c'est plutôt un hymne à la Normandie et une nostalgie d'ailleurs de cette Normandie perdue qui l'a fait beaucoup rêver, qui lui a beaucoup appris et qui, par ses changements de lumière, lui ont amené à aimer et tout ce qui en émanait, que ce soit la vie industrielle d'un port, que ce soit la vie plus estivale des plages. C'est pour lui ça le vrai paysage, un paysage non pas rêvé, mais un paysage dont il se remémore à la fin de sa vie. Voilà, je voulais terminer sur cette note plutôt d'espoir. Je n'ai jamais pensé que le noir dans une peinture était forcément quelque chose de triste ou de funeste, mais plutôt un travail sur la lumière. Il a beaucoup écrit sur le noir et sur le fait que c'est une peinture lumineuse. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Et j'espère. Peut-être avez-vous des questions? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su charla. Quería preguntar sobre este tema justo del carguero negro. ¿Usted no le da el tema, digamos, nefasto de la llegada a la muerte? Oui. Vale. Je crois avoir compris un peu, mais pas tout. Non, non. La muerte, donc on va parler de la mort. D'accord? Ah, c'est ça, bon. D'accord. Ok, elle va me faire la traduction. Voilà, très bien. Ça. Oui? Alors? Si. De nuevo, muchas gracias. Pues eso, usted no le da ese tema, esa, al carguero negro no lo ve como algo nefasto, algo el final de la muerte, el miedo a la muerte, mientras que otras personas sí que lo mencionan de esa forma. ¿Hay algo que dejase Dufy escrito sobre ello? Porque claro, es como que la gente no se pone de acuerdo en este tema. Gracias. Oui, moi j'ai une interprétation peut-être plus optimiste que tout le monde. Je trouve que c'est toujours un peu facile d'attribuer le noir à la mort. Dans certains pays, c'est plutôt le blanc. Je crois que surtout, s'il est parti aux États-Unis en 1948, faire vraiment un traitement qui était très risqué, c'est qu'il ne se voyait pas mourir. Qu'il ait mis de l'ordre dans sa vie et dans son œuvre, on l'a vu deux fois de suite, en 1943 et en 1948, il va ranger ses affaires et mettre de l'ordre en disant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui se voit mourir, ou même s'il a mis de l'ordre dans sa vie, ça c'est sûr. Et je crois que c'est surtout l'aboutissement de quelque chose qu'il recherchait. La question de la lumière est une obsession chez Dufy. C'est quelqu'un qui n'est pas un théoricien au sens propre. Il n'écrit pas très très bien, il a quelques bribes dans ses notes où il essaye de dire ce qu'il veut faire. Et on retrouve cette idée de la petite fille qui continue à courir alors qu'il a été ébloui. C'est dans les années 20, peut-être même avant la guerre de 14. Donc il poursuit quand même, et c'est ça que je voulais surtout montrer, il poursuit son obsession de la lumière. Comment montrer la lumière? Je vous rappelle, et je l'ai montré juste avant, que son peintre préféré, c'était Claude Lelorrain, qui a pour caractéristique de peindre l'entrée d'un port, les bateaux qui rentrent dans un port, avec un soleil ou levant ou couchant, qui quelque part embrase le ciel et la terre. Et cet embrasement du soleil, alors pour Lelorrain, c'est orangé, rouge, on peut le voir même chez Turner, c'est un peu ces couleurs qui dominent.
lui pense que l'éblouissement n'est pas de cette nature, elle est noire, c'est une tache noire qui marque la pupille. C'est pour ça que je pense qu'il est arrivé enfin à trouver ce qu'il cherchait depuis tout le temps. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit quelque chose de triste. Il n'y a rien de triste dans ce qu'il montre. Il montre, au fond, je n'ai pas dit que ce n'était pas nostalgique. Et ce n'est pas la même chose. On peut être nostalgique de quelque chose qu'on a perdu, mais je ne pense pas que je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a enfin résolu une question qui lui tenait à cœur. Una cuestión. Es cierto que por lo menos en lo que he leído, él no habla nunca del negro como si fuese un color de tristeza, un color de muerte. Él habla más bien de la posibilidad de capturar una impresión que él ha tenido del deslumbramiento. En sus escritos es eso, simplemente lo que se infiere. Es cierto que luego los historiadores del arte han hecho interpretaciones y a veces lo han relacionado como una premonición a veces de su muerte. Yo querría recordar también una entrevista que se le hizo en los años 80 a Pierre Courtion, en la que él señala que Dufy había, en los últimos años, había estado marcado o habías reflexionado bastante sobre una máxima de François de la Rochefoucauld, que dice «Ni le soleil ni la mort on se peut regarder en face». Como si él estuviese, relacionase un poco las dos cosas, el mirar al sol y el mirar a la muerte. Pero bueno, eso simplemente creo que también es otra interpretación de otro historiador. ¿No? Tout à fait. Je pense que j'ai dit que moi, je pense que c'est plutôt le côté technique et de l'œuvre qui l'intéressait. Pour faire des séries comme ça, c'est pas un seul tableau, c'est pas le dernier tableau, c'est un ensemble d'œuvres, une série qui va commencer en 46 pour certains, 48 pour d'autres, jusqu'à la fin de sa vie. Donc il y a quand même quelque chose de marquant. Après, est-ce que regarder le soleil en face, regarder la mort en face, c'est impossible ? Certes, c'est quand même une transcription de ce qu'il pense voir, parce qu'au fond, c'est une expérience qu'on fait quand on est jeune, on essaye de regarder, on est un peu ébloui, on regarde une tache qui, soi-disant, est la ligne du dernier objet que vous avez vu, mais c'est extrêmement fugace. C'est une impression extrêmement difficile. Et j'en veux pour preuve les jeux des surréalistes, par exemple, qui ont fait beaucoup d'expériences en essayant notamment un groupe qui s'appelait Le Grand Jeu, qui a fait aussi ce genre d'expérience sur quand vous fermez très très fort les yeux, vous voyez une sorte de tapisserie, de motifs géométriques qui apparaît. Donc il y avait effectivement dans ces années-là une volonté un peu, je dirais, de trouver d'essayer de traduire ce que physiologiquement on ressent. Être proche de ses émotions et d'en trouver un équivalent, c'est un peu aussi le message du fauvisme, quelque part. On n'arrive pas à trouver, Matisse ou Derain, je ne sais pas lequel des deux, mais on trouvait la couleur violine pour l'ombre. Ça, c'est une invention typique du fauvisme, c'est un équivalent plastique. Il trouve que c'était la meilleure relation colorée par rapport à ce qu'il voulait exprimer. Si vous regardez les impressionnismes ou d'autres, on est plus dans le ton réel, beaucoup plus.
on est dans le mélange des couleurs, on trouve des choses qui sont marron, etc. Donc, il y a chez les artistes de cette génération-là, et si je cite Matisse, un peu les surréalistes pour d'autres raisons, c'est que tous ces artistes cherchent quand même à être au plus propre, au plus proche de leur propre sensibilité, et qu'ils sont prêts à faire beaucoup d'expériences. Je peux vous rapporter aussi sur le dessin, par exemple. On sait que chez les fauves, ils faisaient des petits jeux à dessiner les yeux bandés, essayer de faire tout un ensemble pour apprendre le dessin quasiment pour ne même pas avoir à le... Et on sent d'ailleurs chez Dufy qu'il dessinait de la main droite et de la main gauche aussi bien qu'il a énormément répété les choses. Mais ça, c'est une première partie de son œuvre, mais on voit bien que... Il expérimente, c'est un expérimentateur du film, beaucoup plus qu'on ne veut le dire. Ce n'est pas un théoricien, malheureusement pour lui, parce que s'il avait un peu mis sur noir sur blanc ce qu'il voulait faire, on l'aurait peut-être pris un peu plus au sérieux. On pense toujours, et je pense qu'on a eu beaucoup de discussions avec le conservateur ici présent et commissaire de l'exposition, Dufy, j'avais intitulé mon exposition « Le plaisir », et il me disait, mais non, il n'y a pas que ça. Mais je dis, oui, je sais qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le plaisir. Mais c'est vrai que c'est une peinture qui rend aussi très gai. Et je n'ai pas l'impression, même dans ces œuvres-là, qu'on est face à une peinture qui rend malheureux. Alors ça, c'est l'impression du public. Mais ce qu'il voulait, lui, c'était beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus construit, beaucoup plus intelligent, quelque part, que notre propre impression visuelle, où on est souvent toujours très attiré par des choses colorées qui nous plaisent. Ce sont des couleurs qui ne sont pas criardes, même si elles sont pures. Il y a une façon très particulière de l'utiliser. Il y a une certaine aisance graphique. On sent qu'il a une main en or qui peut faire tout ce qu'il veut. Et cette aisance et ce plaisir des sens, hein, quelque part, c'est nous qui le recevons. Ce n'est pas forcément lui qui le sent, même si c'est ça qu'il veut faire. Il ne veut pas rendre les gens malheureux. Il le dit pendant la guerre, il ne veut pas. Il ne veut pas que les traces de la guerre soient visibles dans son œuvre. De même qu'il ne veut pas que sa maladie soit perceptible dans son œuvre. Il ne va pas faire des fauteuils roulants ou des mains déformées. Non, il veut toujours continuer dans une seule direction, qui est celui du plaisir du spectateur. Et c'est en ce sens qu'il fallait comprendre le thème de l'exposition. Enfin, toujours est-il que pour répondre, voir en face la mort ou le soleil, chose impossible, certes, certes, même si vous savez bien que les gens qui ont plus ou moins été morts et qui sont revenus à la vie parlent d'un tunnel ou de je ne sais pas quoi, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que ce sont des expériences qui sont très difficiles, et d'une part à raconter, et d'une part à mettre en image, comme il a essayé de le faire. C'est pour ça que je pense qu'il y a effectivement c'est vraiment la dernière œuvre, quelque part. Il a enfin trouvé quelque chose qui était intéressant et qu'il allait développer. Et c'est vrai que le noir n'a jamais été absent de son œuvre, hein, mais on la voit dans d'autres circonstances. J'ai pas repris d'autres œuvres, mais il a toujours utilisé le noir comme une couleur, pas comme une non-couleur, comme elle était traditionnellement évoquée dans les cours de l'Académie. Le noir n'est pas une couleur. Comme le blanc. Donc c'était simplement aussi pour rappeler qu'il a aussi beaucoup utilisé le noir, mais dans d'autres circonstances. Voilà. Comme français, espagnol. Je voulais vous demander qu'est-ce qu'on a conservé la couleur de ce qui est
Vous pouvez la voir à Paris, au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Elle occupe une salle entière. Elle est toujours visible du mardi au dimanche, à l'exception du lundi où le musée est fermé. Et c'est une œuvre qui a beaucoup de succès, pas seulement auprès des Français qui la connaissent à peu près, mais aussi auprès des enfants, des étrangers. Pour eux, ça, c'est toujours quelque chose qui les fascine. Et on peut rester des heures et des heures devant cette peinture et on trouve toujours des détails. Je pourrais vous montrer un petit détail, mais vous ne le verrez pas. Dommage. Mais par exemple, on a Goethe dans la fée électricité. C'est pour la couleur, c'est pas pour autre chose. Il n'a rien à voir avec l'électricité. C'est pas, même s'il était savant, mais on sait que Dufy avait beaucoup lu Goethe et notamment toute la théorie des couleurs. Donc on en revient toujours aux mêmes, aux mêmes questions. Et il y a eu pas mal d'analyses faites sur la fée. Il y a eu un énorme travail qui a été fait par Dufy lui-même. Il s'est énormément documenté. C'est assez prodigieux quand on voit la masse de documents qu'il a compulsés pour, en un an, en très peu de temps, et pour arriver à quelque chose de tout à fait nouveau. Personne n'avait fait ce genre de décoration thématique avec une telle originalité. Je pense qu'il a quand même été très fort là aussi. Voilà. A ver si este funciona de una forma y puedo decir algo. Yo quisiera hacer como un juicio sobre la etapa final de Dufy, porque me parece una etapa realmente rica y que me parece un paso más en la evolución, no un contraste. Y quisiera también que se hiciera un juicio de la significación de la obra en conjunto de Dufy en el panorama de los pintores del siglo XIX. Vaste question. Alors, Dufy a été quelque part sous-estimé par la critique de son époque. Il a été surtout malmené par Matisse, et qui ne l'aimait pas du tout. Peut-être parce qu'il était trop proche de lui, peut-être parce que Matisse était toujours considéré comme un maître et comme le seul, il n'aimait pas trop les concurrents. Et puis, et ça lui a porté préjudice. L'autre chose aussi, c'est que Dufy, qui pourtant on sent que c'est quand même quelqu'un qui a une culture et qui pourrait être un peu intellectuel, pas comme Matisse, a fait une chose que tous les peintres du début du siècle voulaient faire, du décoratif. Mais les autres ne l'ont pas fait. Matisse, il a fait quelques vases par Mettet au début, avant 1910. Il a fait quelques tapisseries, mais très peu, dans les années 1900, à peu près dans l'immédiate après-guerre. Mais il n'a pas fait de grandes décorations. Les seules qu'on ait faites, c'était Barnes. C'était la danse de Barnes.
Et c'est la seule qu'on lui ait jamais demandée. Il n'en a pas fait davantage. Alors ça a été pour lui extrêmement important. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, quand les peintres font des grandes décorations, et ils avancent énormément dans leur carrière, et pas seulement d'un point de vue politique, mais aussi techniquement et artistiquement. Donc, il a eu beaucoup d'embûches dans sa vie, de par un certain nombre de choses qui ne l'ont pas mis au premier plan. Je pense que, je ne veux pas dire que c'est en train de changer, ça change doucement. Vous savez, et puis, si vous lisez, par exemple, il a été un peu cubiste à un moment donné, Cézanne, certes, avec Braque. On ne parle que de Braque en disant qu'il a suivi Braque, mais en fait, ils ont travaillé l'un à côté de l'autre. Là aussi, on dit que Braque est supérieur à Dufy. Mais on avait, si vous regardez tous les gens qui écrivent sur le cubisme, personne ne cite Dufy, c'est un épigone. Donc c'est un peu ça aussi le problème de l'histoire de l'art au XXe siècle, c'est qu'elle n'est pas terminée et qu'elle est en train de se faire. Et qu'il y a eu une espèce de doxa de l'école américaine qui a imposé Matisse, Picasso, le cubisme contre le surréalisme, etc. Et que des artistes comme des maîtres comme Dufy, mais on peut même faire la même comparaison comme Bonnard. Ça fait depuis très peu de temps que Bonnard a recouvré sa place sur la scène artistique française comme quelqu'un de vraiment majeur. Lui aussi, il était plutôt un maître 19e, un habit, mais en fait, toute sa carrière, il le passe quand même au XXe siècle, et la période Nabi, elle est extrêmement courte. Donc on l'avait rejeté du côté du 19e en disant, bon, ben Bonnard, c'est un petit peintre, un peintre, voilà. Et donc je pense que, moi je suis plutôt optimiste, je pense que tous ces gens-là vont retrouver des places, je pense qu'on va dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont été très importants et qui ne sont pas à leur place. Il n'y a pas que Matisse et que Picasso, même si Picasso est espagnol, mais quand même, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'autres artistes qui ont joué un rôle tout à fait important et qu'on va redécouvrir. Je crois que c'est une question, je dirais, d'histoire, de l'histoire de l'art. Et le but des commissaires d'exposition et des conservateurs que nous sommes, c'est justement de vous amener à regarder d'un autre œil d'autres artistes pour lesquels vous n'avez pas forcément une connaissance ou une grande proximité. Donc c'est comme ça que nous faisons, et c'est comme ça qu'on redécouvre des gens. Quand on redécouvre, on redonne une place, on doit leur redonner une place particulière. Voilà. Donc je pense que l'histoire de l'art est en train de toujours se réécrire. Je pense que dans 10, 15 ou 20 ans, on aura une autre perception de la place de Dufy dans l'art du XXe siècle. Ça, j'en suis certaine. Comme d'autres d'ailleurs. Et qu'on rééquilibrera un petit peu les abus qui ont été faits, je dirais, dans la deuxième partie, après la Deuxième Guerre mondiale, je dirais. Toute l'historiographie américaine, très, très dogmatique, date à peu près de cette période-là, qui tient aussi au statut de l'Amérique à ce moment-là, qui est devenue une nation dominante et dominatrice et qui déterminait les jugements. C'est aussi une façon aussi de rappeler, quand ils disent Matisse, Picasso, le cubisme, c'est aussi ce qu'ils ont acheté et que nous, Français ou Européens, n'avons non plus pas acheté. Nos collectionneurs se sont détournés à un moment donné. Et c'est ça aussi qui fait que l'histoire de l'art est vue différemment selon ce que l'on fait. Vous verrez, maintenant, on va avoir des Chinois partout. Très bien. On aura une mais non, mais je ne ris pas. Je pense que c'est ça aussi. On va
on va rééquilibrer le monde occidental et le monde extrême-oriental avec d'autres artistes, et il faudra qu'on s'y fasse, c'est comme ça. La vie continue, et l'histoire de l'art continue. Merci.